Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien entièrement consacré à l'environnement de Mayotte. Dans cette émission, aujourd'hui, on va parler évidemment de la ressource en eau et de toutes les techniques possibles et imaginables aujourd'hui sur le marché pour fabriquer de l'eau. Et oui, agir pour l'environnement au quotidien, moi j'y crois. Pour parler de cette question, nous avons sur le plateau ce matin Naoui Rouvita, qui est directeur d'exploitation eau potable au syndicat des eaux de Mayotte. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Et puis ici Maïla Marie, qui est chargée de mission à la FMAE. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Comment on fait pour fabriquer de l'eau, messieurs? Déjà, on ne fabrique pas de l'eau. Ah bon? Pas du tout. C'est quoi alors? on essaye de trouver, on cherche de l'eau et on essaye de la rendre potable. C'est-à-dire faire en sorte que même, peu importe son état, on la nettoie. Parce que pour moi, potabiliser l'eau, c'est laver l'eau de ses impuretés pour que tout un chacun puisse la boire sans conséquence sur la santé. Comment font aujourd'hui les différents pays, et notamment ceux qui nous entourent, parce que c'est ça qui nous intéresse en particulier, pour disposer d'eau potable en quantité, parce que nos voisins ne manquent pas d'eau? Comment ils font et pourquoi nous, on en manque? Je vous laisse répondre. En fait, aujourd'hui, tout le monde est en... problème d'eau. C'est pas que Mayotte qui manque d'eau. Même à La Réunion, il arrive que la saison est mauvaise et qu'ils n'aient pas beaucoup d'eau. Hein. Il y a des coupures d'eau également sur La Réunion. C'est vrai, on l'a annoncé dans les colonnes de France Mayotte matin comme certaine manière d'atténuer notre souffrance. Et Guadeloupe aussi. Chez nos voisins comoriens, moi j'ai visité quelques réseaux d'eau potable hein, et qui n'est pas aussi développé que le nôtre. Et c'est la principale difficulté qu'ils ont là-bas, c'est de capter et d'amener de l'eau dans les habitations. Il y a des endroits où ça n'existe quasiment pas. Et ce sont les gens qui se débrouillent eux-mêmes pour faire des puits, peut-être dans leur maison ou sur leur terrain, pour avoir de l'eau. C'est comme ça que ça se passe? Il y a des puits et puis il y a des communautés, qu'ils appellent ça, les gens qui habitent à l'extérieur, qui envoient de l'argent. Et souvent, ce n'est pas organisé et qu'on peut voir dans un captage d'eau, on peut voir 2-3 tuyaux qui sortent de ce captage pour aller dans le village, pour distribuer de l'eau. Mais ce n'est pas organisé et donc du fait de cette non-organisation, même les canalisations qui existent ne sont pas entretenues. Donc c'est un leurre de se dire que tous nos voisins disposent d'eau en abondance. Tout à fait. Le réchauffement climatique, ce n'est pas que pour Mayotte, hein, c'est le monde entier qui connaît le réchauffement climatique. Et c'est il faut savoir qu'il y a 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau sur tout le globe et seuls 3% sont de l'eau potable. Oui. Le reste, les 97% restants, c'est de l'eau... sale ou de mer. C'est de l'eau de mer. Alors, tous les pays autour de nous sont comme nous, pluvio-dépendants. La plupart, oui. Je dirais à 90%, ils sont pluvio-dépendants. Après, il y a les systèmes de ressources différentes, pareil, ça va puiser dans les puits, ça va puiser un peu dans la nappe et les pluies. Après, en mais les nappes, etc., ça dépend de la pluie. Elles ne se remplissent que s'il pleut. S'il ne pleut pas... Tout dépend de la pluie. Après, à l'étranger, les pays où il y a un peu plus de fraîcheur, il fait un peu plus froid. Et ça dépend aussi de la neige qui fond, qui part dans les lacs rivières, et les rivières. Et qui réalimentent, oui. Voilà, qui réalimentent. Mais sinon, que de la pluie. Enfin, à 80, je ne sais plus comment, 90-95%. Après, il y a les pays où il fait l'inverse, très très chaud, où là, on dessale.
Oui, comme le Proche-Orient, Oui. ce sont des pays très arides et donc la pluie est très peu présente. Et donc le seul alternative à la pénurie d'eau, c'est le dessalement d'eau de mer. Qui alimente aujourd'hui, vous le savez, combien de populations à travers le monde, combien de gens sur l'ensemble des êtres humains sur la planète, combien vivent du dessal, enfin vivent, en tout cas bénéficient d'eau potable à partir d'eau dessalée, et combien bénéficient d'eau potable à partir, quelle qu'en soit la forme, à partir de la pluie? Je ne saurais pas le dire, mais je sais que les pays arabes et les pays au Proche-Orient, il y a beaucoup de dessalement. Et en Europe, il y a moins de dessalement. Et c'est même le dessalement, on n'a même pas en France de normes permettant de on s'appuie sur d'autres normes, mais le dessalement n'est pas de coutume quoi, en Europe. Alors, il paraît que certains pays, notamment les pays d'origine, enfin les pays du Proche-Orient, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ensemencent les nuages pour les faire pleuvoir. Ah, ça, je sais pas. Oui, Peut-être mon collègue. en fait, ça a été vu, parce que dû à une catastrophe qui s'est Oui, déroulée récemment. récemment, je ne sais plus si c'est exactement À sous côté de Dubaï, Dubaï, c'était à à Dubaï. Dubaï. Oui, ils ont utilisé cette technique en rendant un peu l'atmosphère un peu plus salée. Je ne connais plus exactement la technique, mais on a vu qu'on n'a pas le contrôle dessus. Du coup, ça a causé un peu les catastrophes qu'on a pu voir Ça a à la télé. accéléré significativement le volume de pluie qui Voilà, est tombé, voilà. provoquant Donc, des inondations géantes en oui, ce réalité. qui prouve qu'on ne peut pas contrôler La le temps, on ne peut nature. pas contrôler la nature. Bon, c'est une technique qu'ils ont eux, qu'ils utilisent depuis quelques années. Mais là, vu la pénurie, ils ont voulu un peu accélérer le processus pour bénéficier un peu plus d'eau. Donc on ne peut pas se dire, nous, pour pallier nos difficultés qui sont réelles, ensemencer les nuages, c'est pas prévu par le syndicat des eaux. Pas du tout, pas du tout. C'est ce qui est prévu, c'est faire des recherches d'eau souterraine, des forages, et le dessalement, et puis le stockage d'eau sur les retenues collinaires. C'est ce qui est prévu par le C'est syndicat des aujourd'hui. techniques plus Tout maîtrisées à fait. qui paraissent plus réalistes. Qu'en est-il, messieurs, de nos consommations d'eau si on les compare à nos voisins? Parce que on a quand même un peu ici à Mayotte ce défaut d'être un peu les yeux absolument bornés sur ce qui se passe chez nous et pas vraiment de regarder à côté. Et quand on soulève la tête, on se dit toujours ouais, c'est mieux à côté que chez nous. Mais vous venez de nous démontrer que c'était pas forcément mieux en termes de ressources en eau dans les îles d'à côté. En termes de consommation, on se situe comment par rapport aux autres? Par rapport au pays d'à côté, je sais pas, mais j'avais compris que par rapport à la France, on est encore en dessous en termes de Oui. consommation. Après, pour la Réunion, je sais pas du tout, j'ai pas de chiffres en tête. En tout cas, la Réunion, ils consomment beaucoup plus d'eau que nous, parce qu'ils ont beaucoup plus d'eau que nous. Puis ils ont Et plus d'activité pas économique aussi, peut-être que nous. tout à fait. Et puis ils ont plus de réseaux que nous. Nous, en fait, notre difficulté aujourd'hui pour arriver à une consommation normale, c'est d'arriver à maîtriser l'urbanisme. Et maîtriser l'urbanisme, c'est quoi? C'est de ne pas construire n'importe où et de construire de manière à pouvoir amener de l'eau. C'est la difficulté de Mayotte, c'est de pouvoir maîtriser l'urbanisme, construire là où on amène de l'eau, ou faire des aménagements, amener de l'eau. À partir de là, on construit et on alimente la population. C'est aujourd'hui, nous subissons l'urbanisme entre guillemets sauvage, parce que les gens construisent sans voirie, Ah oui. sans aucun aménagement. Où ils veulent. Et puis, on nous dit qu'il y a 25% de la population, un tiers de la population, qui n'est pas raccordée à l'eau. Je veux bien. Je veux bien. Toutefois, avec des nuances, à partir du moment où je choisis d'habiter là où parfois l'eau ne monte même pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tuyau, mais l'eau ne monte pas parce que les infrastructures existantes ne sont pas prévues pour faire monter l'eau jusqu'à cet endroit-là.
Donc, si on veut arriver à une consommation normale, comme dans les pays comme à La Réunion ou en métropole, il faudrait arriver à faire des aménagements avec des voiries et des constructions et alimenter la population. Plus cohérent, en fait. Tout à fait. C'est tout à fait une cohésion et une harmonie dans les aménagements. Alors, on nous dit souvent que, dans les prises de parole, que le réseau fuit beaucoup et que beaucoup de l'eau est perdue dans les fuites, dans la terre. Quand on lit la presse métropolitaine, on lit aussi qu'il y a beaucoup de fuites sur les réseaux. Alors, nous, à Mayotte, on perd plus d'eau qu'en métropole ou moins d'eau. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se produise plus ? Si j'y vais, En fait, effectivement, on a beaucoup de fuites d'eau. Mais il faut comprendre que le réseau de Mayotte, comparé au réseau dans l'Hexagone, est jeune, mais dans la réalisation des matériaux qui ont été employés, c'est des matériaux, par exemple, je prends Mamoudzou Kongo Petit Air, ils ont été, les réseaux, et la plupart, c'était fait en PVC. Et ce n'est pas le PVC haute pression, mais les PVC collés. On collait à l'époque les conduites comme avec de la colle. Comme dans la cuisine. Et pour faire des emboîtements, pour faire des emboîtements, on arrive parfois, j'ai vu, ils chauffent le bout du tuyau et puis ils emboîtent le tuyau avec de la colle. Ça, c'est des nids à fuite. Et à partir de là, on a une fuite plus importante qu'en métropole. Les fuites, par contre, à La Réunion, ils ont beaucoup plus de fuites que nous. Mais alors, du coup, quand vous expliquez ça sur, comment dirais-je, les trucs collés, comme dans la cuisine en réalité, la phase de tremblement de terre en 2019-2020, mais ça a dû flinguer le réseau parce que les petits trucs à la colle, ça tient pas longtemps, ça a quand même beaucoup tremblé. Ça a beaucoup tremblé, oui, mais c'est pas ça qui a fait qu'on a augmenté les fuites, hein. C'est là. Et puis aujourd'hui, on a mis en place des recherches de fuites. Mmh. Et on constate que malgré ce que je disais tout à l'heure, que le réseau était en PVC collé, qui ne supporte pas beaucoup de pression, mais on constate que c'est beaucoup les branchements. Mais les branchements, là aussi, y a des branchements qui sont en PVC. Et on essaye petit à petit, lorsqu'on fait les recherches de fuite, si on trouve que le branchement fuit, on remplace la totalité du branchement pour mettre des canalisations aux normes. Et évidemment, les fuites sur canalisation, ils existent toujours. Et on essaye petit à petit, avec les recherches de fuites et les réparations, de remonter la pente, parce que réglementairement, tous les réseaux nationaux doivent être à plus de 80% de rendement. Mais tous les réseaux fuient. Oui, partout, un réseau, ça fuit. Et le but, c'est de pouvoir facilement intervenir pour colmater quand on s'en aperçoit, en réalité. Tout à fait. Et puis, il faudrait aussi moderniser nos réseaux, c'est-à-dire remplacer les canalisations en PVC pour éviter, avec les branchements qui sont en PVC également, pour éviter d'avoir un rendement du réseau qui est en dessous de 80%. Et ça, quand vous intervenez pour changer des parties peut-être abîmées, c'est ce que vous faites, je suppose. Quand vous intervenez sur des tuyaux en PVC, sur une fuite, par exemple, vous remplacez. Tout à fait, on remplace. Par contre, là, c'est pas remplacer la totalité du tronçon, mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut faire une modernisation du réseau. La plupart des réseaux qui sont en PVC sont des canalisations à changer. Donc, il faudrait faire une campagne de normalisation massive sur ce sujet. Alors, les collectivités en ont un peu marre
que vous veniez casser les trottoirs pour intervenir. Certains, notamment, je pense au conseil départemental, a pris des réglementations beaucoup plus contraignantes pour réparer et notamment refaire la chaussée, refaire la voirie. Est-ce que ça n'a pas un peu compliqué votre vie ? Non, parce que la plupart des réseaux qui sont sur les routes départementales et les routes nationales, c'est des canalisations en fonte. Aux normes. Mais, aux normes. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que ces canalisations sont sous-dimensionnées par rapport aux besoins en eau actuellement. Donc, on serait bien obligé de passer sur les routes départementales pour permettre à la population d'avoir de l'eau correctement. Parce que si le réseau est sous-dimensionné pour amener de l'eau dans le sud, je n'ai pas le choix que de remplacer la conduite qui est là, qui est trop petite aujourd'hui. Quand on dit pas dimensionné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est pas assez, le tuyau n'est pas assez gros, c'est ça, pour faire passer la quantité d'eau nécessaire ? C'est ça que ça veut dire ? Tout à fait, mais la conséquence, on le voit aujourd'hui, dès qu'on a un problème de casse dans le sud, on est obligé de tout fermer tout de suite. Tout fermer pour éviter que les réservoirs se vident. Parce que, bien entendu, la conduite étant sous-dimensionnée, pour transférer de l'eau dans les réservoirs, on va mettre beaucoup plus de temps pour remplir les réservoirs. Bien sûr. Que si logique. On avait une canalisation bien dimensionnée, en quelques heures, en quelques minutes, on arrive à remplir les réservoirs et on arrive à remettre la distribution en place. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, si les gens du sud le voient, entre Sada et Shirungi. On a des grosses canalisations qu'on est en train de mettre en place. Justement éviter ou limiter en tout cas les coupures, enfin en tout cas les jeux coupes l'eau en fait. Tout à fait. Et lorsqu'il y a beaucoup d'eau comme actuellement, bien que le problème actuel c'est pas le dimensionnement du réseau en elle-même, mais c'est la quantité d'eau produite qui fait qu'on est obligé de passer aux coupures. Mais si la consommation d'un secteur augmente beaucoup plus vite et qu'on n'a pas changé les canalisations, on peut être amené à couper l'eau à cause de ce débit qui n'est pas suffisant. Et justement, ce travail partenarial entre les aménageurs et le syndicat des eaux ne se fait pas parce qu'il y a des projets, on le voit, la CIM construit, d'autres aménageurs construisent également. Du coup, ça veut dire forcément, quand on construit des immeubles de logement, forcément, ça veut dire qu'il va y avoir plus de consommation. Vous anticipez pas pour régler les problèmes ? En fait, on travaille ensemble. Il y a un schéma directeur qui est fait. On recense les projets. Mais forcément, il y a des projets qui viennent après. Et c'est pour ça que lorsqu'on dimensionne un réseau, on fait en sorte qu'il y ait de la marge sur le réseau pour pouvoir... En fait, on ne dimensionne pas pour 2 ans, mais on dimensionne plus sur 15, 20 ans. Donc, s'il y a des projets qui viennent se greffer dessus, si on a bien dimensionné le réseau... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais le problème aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau a été fait en 1992, 93, 94. L'objectif premier de ces projets, c'était d'amener de l'eau dans tous les villages. Et on n'a pas anticipé sur ce projet-là de départ que l'augmentation de la démographie. Mais oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on est confronté à cette augmentation exponentielle de la démographie qui fait que le besoin en eau, aujourd'hui, il faut savoir que le besoin en eau augmente de 2000 mètres cubes par an. 2000 mètres cubes par an, c'est 200 mètres cubes, quasiment 200 mètres cubes d'eau qu'on a besoin. C'est 2000 mètres cubes jour par an. Tout à fait. C'est énorme. Parce que si on ne trouve pas la ressource, on est mal. C'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les usines sont saturées. Oui. Les usines aujourd'hui, dans leur totalité, fonctionnent quasiment à 100%, voire plus de 100% de leur capacité.
Et ce qui n'est pas bon. Ben non, parce qu'il faut pouvoir maintenir. Et quand on tourne à plein régime, quand ça casse, on est tous très très mal. Tout à fait. On parle aussi beaucoup de production d'eau par condensation. Il y a des entreprises à Mayotte qui se sont installées, qui vendent des petits générateurs aux particuliers. Il y a une intercommunalité, je pense à la Cadema, qui a investi aussi sur des générateurs de plus grosse capacité. C'est l'avenir, c'est une solution pour être un peu plus autonome et peut-être moins tiré sur le réseau d'eau. Tu vois où j'y vais. Vas-y. En fait, c'est les petites outils qui sont mis en vente. C'est pas ça qui va nous sauver de. Et puis. Non, mais ça aide bien quand même les familles. Tout à fait. Le dessalement par condensation, c'est une technique qui n'est pas totalement au point. Oui. Et c'est très énergivore. Et quand c'est énergivore, ça veut dire que c'est le prix de l'eau qui va en pâtir. Donc aujourd'hui, cette technique n'est pas tout à fait au point. Et elle n'est pas retenue par le syndicat des eaux, en tout cas. Non, non. On n'est pas dans cette ligne-là de condensation, non. Alors aujourd'hui, le syndicat des eaux, les techniques pour non pas fabriquer de l'eau, mais pour disposer d'eau retenue, c'est quoi? C'est faire des forages. C'est les forages, c'est une ressource. Mon collègue à côté ne me dira pas le contraire. C'est une ressource qui est à peu près stable, malgré qu'il peut être contraignant avec la saison des pluies qui est retardée. Mais c'est la solution. On arrive, malheureusement, on n'a pas. Si on arrive à trouver des forages de grosse capacité, c'est là où on pourra réellement stabiliser la production de l'eau. Et on en trouve des forages de grosse capacité à Mayotte ? Pas du tout. Pas du tout. Le plus gros qu'on a trouvé, c'est 70-80 mètres cubes qui est en compagnie, qu'on n'a pas encore mis en exploitation. Parce qu'on prépare, c'est ça ? On est en train de. On a lancé les marchés, les travaux sont lancés. Maintenant, est-ce qu'on aura réellement ces 1600 mètres cubes attendus en permanence dans l'année ? Ou bien ça va flancher un moment ou un autre, parce que la nappe, on ne la connaît pas. Ouais. On a fait des tests réglementaires et qui nous dit qu'on peut avoir ça par jour. Mais à l'épreuve des faits, il faudra voir. Voilà, à l'exploitation aussi, il faudra voir, parce que là aussi, mon collègue il mieux est placé pour en parler. C'est qu'on est confronté aujourd'hui à une déforestation massive. Je lui laisse un peu la main sur ça. Oui, il faut savoir qu'en termes de déforestation, ce qui a été dit par rapport à entre 2011 et 2016, ce qui a été dit, on avait perdu plus de 40% de nos forêts. Donc aujourd'hui, toute la problématique, elle est là. C'est que nous, on veut stabiliser la ressource en eau, on veut produire plus d'eau, mais si on continue à déforester, le phénomène d'évaporation va continuer à prendre un peu le dessus sur la ressource. Et derrière, si on ne replante pas, tous les rivières qui sont asséchées, toutes les ressources qu'on avait à une époque qui sont aujourd'hui complètement séchées, on ne peuvent pas revenir. Donc quand on déforeste, si je comprends bien ce que vous expliquez, Monsieur Marie, quand on déforeste, ça veut dire que l'eau, elle s'évapore. Elle ne rentre pas dans le sous-sol pour aller alimenter les forages ou les nappes phréatiques. Il y a plus d'évaporation, mais aussi ça aussi amplifie le phénomène d'érosion de sol. Puisque là, en fait, c'est plus il y a d'arbres sur une zone, plus il y a une facilité à l'eau de pénétrer dans le sol. Donc forcément, renouveler les nappes. Donc, en fait, toute ceux qui pénètrent dans le sol va être gardée par les racines des arbres et autres pour pouvoir, en fait, alimenter les nappes phréatiques. Et donc, les forages. Et donc, les forages. Donc, si aujourd'hui, on déforeste complètement tous les arbres sur une zone, du coup, l'érosion va s'aggraver, le phénomène d'érosion continue à s'aggraver. Eh oui. Donc, il n'y a plus de racines des arbres pour pouvoir retenir tous ces taux-là. Donc, et aussi les phénomènes d'évaporation qui va se créer, donc la ressource, les nappes ne se rempliront plus. Donc en fait, si je comprends bien ce que vous êtes en train d'expliquer, il faut arriver à retisser un lien
positif entre l'homme et la nature, et que ce lien, il s'érode quand même pas mal. Oui, il s'érode beaucoup, parce que on voit, en fait, comme je dis toujours, je prends toujours la comparaison des maquis qui descendent un peu dans les villages, parce que on a déforesté tout ce qu'il y avait au niveau de forêt, donc ils n'ont plus de ressources. La seule ressource qu'ils ont, c'est qu'ils descendent dans les jardins, dans les petits jardins des particuliers qui ont planté les petites plantations de papaye ou de manguier pour pouvoir s'alimenter. Mais pour oui. pouvoir s'alimenter, puisqu'il n'y a plus rien en forêt. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications. Donc j'ai bien compris, hein, le syndicat des eaux est pragmatique. Pas de d'ensemencement des nuages en perspective. On reste sur du concret, des retenues collinaires, des forages et du dessalement. Tout à fait. Et vous nous rassurez quelque part. On ne part pas dans des techniques... Non, mais c'est quand même important de le souligner. On ne part pas dans des techniques improbables parce qu'on est face à une difficulté. Certes, on a une difficulté, mais on reste concret et on travaille sereinement à régler les problèmes. Tout à fait. On travaille sur des techniques maîtrisées. Ça sera le mot de la fin, Monsieur Vita. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un autre épisode, une autre émission d'Agir pour l'environnement avec d'autres invités, d'autres thèmes. À très vite.